Jusqu'à maintenant, disons que on a une animatrice qui est géniale, donc on a pas mal d'activités. Et puis, non, maman, il manque rien du tout. Je peux sortir, donc je vais aller faire mes courses aussi, avec les critères, à savoir 1 heure, voilà, de déplacement. Mais sinon, non, moi, je suis très bien. Pour l'instant, les activités sont un peu, bon, disons, elle nous imprime des feuilles tous les jours où il y a, bon, différents, comment, des jeux, etc. Et puis sinon, bon, on peut sortir, on a de la chance d'avoir ce parc, mais sinon, là, c'est vrai que, si, puis de la musique aussi à l'extérieur. On a un résident qui joue de l'accordéon. Et Agnès, donc notre animatrice, bon, elle n'est pas là aujourd'hui, mais passe, voilà, avec des chansons, voilà, on se met à la fenêtre, et puis on danse si on veut, enfin bref, quoi. On gère comme on peut, quoi, voilà. Ceux qui sont beaucoup plus âgés, parce qu'il y en a qui dépassent quand même les 90 ans, hein, qui ont l'habitude d'avoir, voilà, de la visite des enfants, etc., ça doit être un peu plus dur. Moi, je ne les vois pas beaucoup, mais je suppose que c'est un peu plus dur, quoi, c'est pas... Et puis bon, on ne peut pas circuler non plus dans l'enceinte de la résidence, hein, donc les gens ne descendent pas, ils restent cloîtrés dans leur appartement, donc ça, on peut le comprendre, hein, pour ces gens-là, c'est normal. Hein. Je lis beaucoup, moi. J'ai beaucoup, je suis très polar. Très polar. Et on fait partie d'un club littéraire, là, chez nous, là, de Métis. Donc là-dessus, c'est bien aussi. On a des bouquins à apprécier. Et puis après, voilà, on en discute, quoi. Les masques, eh ben, on se les fabrique nous-mêmes. Hein. Mais on se débrouille, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. On a quand même du personnel, ne serait-ce que déjà le personnel d'accueil, le personnel de direction. C'est pas parce que la directrice est à côté de moi que je dis ça. Hein. Bon, non, non, non. Mais que ce soit aussi le personnel de restauration, les femmes de service et tout, elles sont super géniales. Et c'est pas que maintenant, hein. Et elles ont toujours sourire. Tous les matins, bon, il y a toujours un petit mot gentil. Je pense qu'elles le disent pour tout le monde aussi, à leur passage. Appartenez là à la résidence de Métis. On a le parc en plus, on fait partie quand même des privilégiés, je pense, pour les seniors, c'est sûr. Là, il y a une bonne ambiance et tout, je veux dire. Hein. Non, non, c'est. Oh, il y a sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus malheureux que nous, de toute façon.